we go. Entrez les rétropropulseurs. Sortez le bouclier. Mes amis, mes frères, quelle joie de vous retrouver. Ceci est une journée exceptionnelle. Je vous prie de partager cet instant précis, car nous sommes le lundi 3 septembre de l'an de grâce 2018, le troisième jour, parce que c'était le week-end, des mois en R, le R de révolte et de résistance. Donc nous avons 4 mois pour changer tout pouvoir en place corrompu, préparer une véritable révolution, et à partir d'aujourd'hui, tout le monde arrête de payer ses PV, le trésor public, ses impôts. Si tout le monde s'arrête en même temps, ils ne pourront rien faire. On va aller chercher tout le monde pour un PV. Pour une fois que les fonctionnaires vont travailler quand même. Et vous croyez que ça va marcher? Je pense. Vous croyez que tout le monde... Et comment réunir tout le monde? De retour du futur, il m'est apparu que je vais vous expliquer à présent qu'est-ce qui va se passer. Mais la conférence sera très courte car on va retourner dans le passé pour expliquer, comment on dit, car aujourd'hui n'est que l'hier de demain, pour expliquer à leurs petits-enfants qu'on va le faire tout en camion. Mais d'abord, il faut poser des questions. Oui, mais ici. Vous avez une sagesse, comment prévoyez-vous l'avenir? Toute réponse est à portée de la main. Il suffit de taper Téléternel. Toutes les réponses à toutes les questions sont gratuites, précises. Et comment vous allez convaincre tout le monde d'arrêter tout ça? Là est le problème. C'est pour répondre à la question, comment remplir vos cerveaux vides et réveiller vos esprits morts? Car tout est fait en sorte pour avilir, baisser les niveaux, par pollution électromagnétique. La solution, la seule et unique solution, c'est de travailler pour l'esprit du devenir de l'ensemble. Question. Comment pouvez-vous nous garantir cela? Sur quoi vous vous appuyez pour le discours que vous tenez? Alors, il manque des matières à l'école. Le formatage de disque mou, ça ne va pas. On n'apprend pas l'âme et la résonance dans l'espace et le temps, à travers l'espace-temps. En réalité, le temps n'est pas de l'argent, plutôt de l'espace-temps. Supprimons l'argent et il restera le temps de vivre notre espace. Et comment vivre sans argent? Parce qu'on ne peut pas acheter, on ne peut pas louer, on peut... Voilà. La réponse la plus pratique est qui mieux vaut faire caisse commune que fosse commune. J'oubliais. Dominus du couscous purificatus sanctifus à tous. Et vous croyez que tout le monde va être d'accord? Les riches vont être d'accord? De toute manière, quoi qu'il en soit, à vitesse lumière, nous sommes tous déjà morts. Je suis un point de restauration du système. Disque dur. Les disques durs font des mises à jour. Oui. Un disque mou, c'est quand tu dors. C'est ça qu'il faut. Pourquoi un enfant on laisse dormir, on laisse rêver l'enfant qui dort? Et pourquoi après tu n'as plus le droit de dormir? Tu travailles, cotise. Paye le brushing à Macron, paye les tenues l'un à l'autre. C'est le système. Probablement, ce dit, il ne doit pas coûter cher en coiffeur. C'est le système. Mais vous pouvez pas. Vous pouvez pas arrêter comme ça tout le système. Je pense que c'est une histoire par rapport au groupe sanguin. Je ne serais pas à parier que M. Emmanuel Macron est un négatif. C'est les gens qui n'ont pas d'âme, apparemment. Et. Chaque groupe sanguin, c'est une descendance. Mm-hmm. Tu peux être poisson, tu as été poisson, si tu veux. Tu as été oiseau, tu as été baleine, tu as été ce que tu veux. Juste une petite parenthèse, monsieur. Comment savez-vous que M. Ciotti ne dépense pas de l'argent en corps? Parce qu'il est chaud. Oui, mais c'est un impôt.
entretien et la cire pour que ça brille, ça coûte des sous. Ah, il faut le cirage, ouais. Oui, le pêcheur en cirage crânien. Oui, il a même une coiffeuse au titre. Pour avoir autant de connaissances, vous êtes à... Vous avez fait quoi comme étude? Nous, à se faire. Il s'agit... C'est un bac combien? Je suis de conscience collective. Bac, c'est le brevet d'aptitude cosmique, j'avais déjà le CAP, le certificat d'aptitude prophétique. D'accord. En 2008, une grâce sanctifiante. Bon. D'accord. Donc ça n'est accessible qu'à vous? Désolé de vous rencontrer dans le futur de mercredi prochain. J'ai une conférence à faire dans le passé maintenant. Je revenais de Inchalamen pour partir voir chez Mayalabé, chez les anciens, dans les Aztèques, pour leur prévenir que finalement, pour prévenir tout en camion, qu'on va le faire tout en camion. Tout ce qu'on gaspille comme nourriture, c'est dégueulasse. Donc maintenant, on va partager. Et bien, on vous remercie. Et on vous... Phase de décollage. Enclencher le combinateur spatio-temporel. Mais ça m'énerve.